Annoncé en tout début de cette émission, place également à la musique. On va recevoir avec beaucoup de plaisir un groupe qui nous vient de Cherbourg. Il s'appelle Porte 53. Les voici avec un 45 tours extrait d'un CD, Virus de l'amour. Mais demain, mais c'est vraiment de tout cœur. Virus de l'amour, c'est le groupe Porte 53. Vous n'êtes pas vos premières armes, vous avez déjà fait deux petits 45 tours. Enfin, deux petits, c'est déjà bien. Ils sont toujours petits, les 45 tours. Ils sont toujours petits, ils sont jamais beaucoup plus grands. Et puis là, c'est une grande nouvelle quand même, c'est un CD. Neuf titres. Neuf titres, dont celui-ci, bien sûr. Dont celui-ci. Mm-hmm. Je suppose, on parle du sida aujourd'hui. Virus de l'amour, c'est quoi? C'est ambigu? C'est vraiment ça? C'est... Au départ, c'était pas du tout un texte uniquement là-dessus. C'était plutôt un texte ambigu entre le sida et la maladie d'amour, comme le chantait. C'est bien, Sardou aussi, mais bon, comme vous voulez, chacun sa culture musicale. Porte 53, Virus de l'amour, un CD, ça veut dire quoi? Qu'on rentre, ça y est, dans la cour des grands? Ça veut dire surtout que... Gratif, hein. Non, mais on était, je ne sais pas dans quelle cour on était, mais pas dans celle des grands en tout cas. Mmh. Ça veut dire que c'est déjà un album que les gens vont pouvoir trouver... Dans le commerce. Dans le commerce, s'ils désirent l'acheter, bien entendu, on n'oblige personne, mais donc ça fait un grand changement quand même. Ben je suppose, et puis alors il faut signaler quand même, c'est important, vous faites absolument tout ou pas?
Vous faites tout, les textes, la musique. Ah, les textes, la musique, les arrangements. Sur cet album, il y a quand même deux musiciens additionnels. Il y a une choriste et un saxophoniste, pour lesquels on a préparé un petit peu le travail quand même. Mais autrement, tout le reste est fait par nous. Oui. C'est fini par vous. On va vous présenter parce que Porte 53, c'est pas vos prénoms. Armel, Christophe et Philippe. Voilà, on vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage, puis j'espère que vous reviendrez nous voir avec, pourquoi pas, un autre CD, ou alors avec un clip. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je ne sais pas si vous collectionnez les voitures. Non, est-ce que vous savez que déjà, mais la mienne a quelques problèmes. Déjà en collection, il faut l'amener absolument à Richard Plumet. Connaissez-vous le Coxman? La Coccinelle est une voiture qui se collectionne beaucoup. Il y a au moins un club de collectionneurs par département en Normandie, c'est pour vous dire. Et alors, Richard, aujourd'hui, a rencontré quelqu'un, un Coxman, un propriétaire de Coccinelle. Et tenez-vous bien, qui n'hésite pas à se prendre pour un insecte.